I've been out late night creeping, shot slide on bitches. Posted up with the militia, niggas ain't switching. Mind on missions, mind on pussy and millions. Mind on pussy and millions. I'm trying to call it sex symbol. And I know these niggas mad as fuck. Bitch, I'm in a trap with T and we throw it up. Fall, while my niggas throw it up. If it's a month of good sense, I might just throw it up. I want that no for real. These niggas ain't got no swag for real. I've been blowing through the money like you blowing trees. I've been f***ing on a French, Tel Aviv. I just put them on a jet, now they all Italian. Way I'm dressed until I've been to $1,000. Just fly by getting shots, but she's still a stallion. She don't even get the joke, but she's still smiling. Every night, late night, like I'm Jimmy Fallon. Cross shoot from anywhere like you Ray Allen. Cody, turn me up. Cody, turn me up. Cody, turn me up. Got a fur on a tampa, got me burning up. Shorty said she graduated, she ain't learning up. Lady album track one, okay, I heard enough. Girl, the driver downstairs, better hurry up. Savage got a new stick, you wanna dirty up. Touchdown in NY, tell the Mercer up. Hey, both take a shades with a great sense. Introduce me to yeah, makes sense. Gotta put her on the team, got a great bench. Linking with the ops, I did that for Jay Prince. I did it for the Maltese. Feel like 17, two first, frog eyes. And I never been the one to go apologize. Me, I'd rather hit him up one more time. On se retrouve pour un nouveau vlog. Cette semaine, je serai ouf. Cette semaine, vous avez grave passé du temps avec moi. Mais je pense que vous avez quand même remarqué. En ce moment, j'ai une baisse de motivation. Pas de motivation, mais je suis moins productive. Du coup, là, ce matin, déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma douche et tout. Et là, je me suis préparée. En même temps, j'ai filmé une vidéo TikTok, Instagram, outfit. En fait, j'essaie de revenir un peu sur Instagram et proposer des vidéos outfit. Parce que j'ai envie de faire ça en ce moment. Du coup, j'essaye de me remotiver et d'être productive sur le truc qui me plaît, donc les outfits. Du coup, voilà pourquoi j'ai. Donc voilà pourquoi je me suis préparée, je me suis coiffée, maquillée et tout. J'ai tourné avec mon nouveau trépied. J'ai un nouveau trépied, les filles. Il est trop trop bien. Si le outfit que j'ai fait pour mon contenu, en même temps, je vais faire des photos pour Instagram aujourd'hui. Je sors pour faire des photos Instagram. Mais j'ai mis ce haut, je sais même plus vient d'où. Je sais vraiment plus. Ce pantalon, je l'ai acheté en fripe la semaine dernière. En plus, je vous l'avais montré. Mes Rick Owens que je mets tout le temps parce que je kiffe. Mon sac Teflar. Et puis mes lunettes, je sais plus. Peut-être vous pouvez le trouver sur AliExpress. Mais en gros, regardez, ça donne ça. Désolée pour la Ring Night. Parce qu'il y a la Ring Night dans ma chambre. Parce que sans ça, je peux pas vivre. Donc, Du coup, voilà là, ce que ça donne avec les lunettes. Ma tenue. Voilà. J'aime trop. Du coup, là, ça a zoomé. Ouais. Du coup, là, les gars, je vais faire des photos Instagram. T'es chiant. J'ai pris des photos. Et de toute façon, je mettrai les photos ici de ce que Moïse m'a pris. Et franchement, je kiffe. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. On est le lendemain. Qu'est-ce que j'allais dire hier, je vous ai laissé. Après être parti manger, non, être parti faire les cours, non, faire mes photos. Et là, je suis en train de me perdre. Donc hier, je vous ai laissé après être parti faire mes photos Insta. Je suis partie acheter 2-3 petits trucs, genre à Leclerc, j'avais des petites courses à faire. Et j'ai pas voulu vlogger parce que des fois, genre quand je rentre dans les centres, dans les magasins, etc., on va me dire, ah non, mais vous avez pas le droit de vlogger, etc. Donc ça me saoule. Du coup, j'ai pas vlogué mes courses. Après, je suis rentrée. Là, on est mercredi. J'ai commencé ce vlog. D'ailleurs, j'ai commencé ce vlog-là mardi. Parce que lundi, on va dire, c'est mon jour de repos. On va dire. Parce qu'en fait, à partir de vendredi jusqu'à... À partir de vendredi, même jusqu'à dimanche, je fais du montage. Ou même des fois, je fais samedi, dimanche, montage. Et après, je suis KO et tout. Et il faut bien que j'ai une vie, on va dire. Et du coup, les gars, je suis fatiguée et tout. Du coup, lundi, on va dire, c'est mon jour de repos. Je suis fatiguée. Après, il n'y a pas que YouTube que je gère. Et des fois, c'est Instagram, TikTok, etc. Et du coup, je suis grave... En fait, il faut du repos pour tout le monde. Même tout le monde a besoin de repos. Tout le monde a besoin de repos dans la vie de tous les jours. Donc... J'ai même pas à me justifier pour ça, genre, vous comprenez en fait. Mais en gros, voilà. Et du coup, lundi, je me suis reposée. En gros, j'ai pas fait de montage, j'ai rien fait, j'étais en mode repos.
Et j'ai commencé le vlog mardi. Et là, en fait, quand même en ce moment un peu, j'avoue que avant je faisais certaines vidéos, du contenu et tout, et je le fais plus. J'ai remarqué que j'ai un peu délaissé genre le contenu outfit et tout, genre sur Insta et tout. Et maintenant j'ai un groupe avec les filles, j'ai un groupe de filles. D'ailleurs j'avais fait un snap et tout, je les ai demandé est-ce que vous voulez faire des nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes, etc. En gros faire un groupe de filles et tout pour qu'on puisse se parler, peut-être voyager ensemble, se rencontrer, faire des sorties et tout. Au début je pensais que c'était pas une mauvaise idée, mais j'avais trop honte. Genre j'avais trop honte, je me suis dit meuf t'es en manque d'amis ou c'est comment? Et là j'ai vu sur Insta 300 personnes qui ont dit oui, ils étaient chaudes, il y avait 300 demandes, genre j'étais choquée. Et bah en fait là, j'ai créé un groupe de filles et tout, et bah j'ai préféré prendre 12 personnes, donc sur les 300, je sais, ça fait pas beaucoup, j'ai pris que 12 personnes, et sur les 12 filles que j'ai choisies, on est tous pareils, en fait on a tous le même délire, et du coup bah dans ce groupe, genre on se motive, on se donne des conseils, etc. Et les filles, bah il y a une des filles dans le groupe, du coup, elle m'a dit ouais mais refais des vidéos en gros, genre pas de suite et tout. Et du coup, bah là, j'arrive pas à ouvrir, putain, je galère. J'arrive grave à ouvrir à cause de mes ongles. Ça me saoule. Mais désolé, j'avais pas le choix, mais j'arrive pas à ouvrir. Donc, elle m'a dit, mais reprends les outfits et tout. Et en fait, moi, je suis une personne, faut pas me chèvre plein de fois. Tu me chèvres une fois, tu me dis, fais ça, je vais faire. Donc, elle m'a dit, puis là, j'ai repris cette semaine, bah hier, du coup. Hier, j'ai filmé le contenu réel. D'ailleurs, faut que je fasse le montage du repos, comme ça je le poste. En fait, j'essaie d'être consistante vraiment. Avant, c'était grave consistante et tout. Et ça a fait que j'ai grave augmenté vite niveau abonné et tout. Et maintenant, j'ai grave délaissé. Du coup, bah, dans ce groupe et tout, c'est trop bien. Genre, les filles, si vous regardez mes vlogs, ce vlog-là, vous êtes trop drôles. Genre, on se sait. J'ai même pas besoin de faire un débat, mais dans ce groupe, on est trop drôles. Vous êtes trop drôles, les filles. Genre, vraiment. Je vais essayer de poster une fois par semaine au moins, des réels. Ça, c'est mon objectif. J'espère le continuer et tout, vraiment. Mais voilà. Du coup, là, ce matin, j'ai pris ma douche et tout. J'ai toujours pas enlevé mon bandeau, mon foulard. J'espère que ça a pas gâté mon plaquage, etc. Je me suis réveillée à midi. Et en ce moment, j'arrive pas à me réveiller. Avant, j'étais une lève-tôt. Maintenant, je suis une lève-tard. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 12h30. J'ai pas faim. Le seul truc que j'ai pris, c'est... J'ai pris ça. C'est ma mère, elle a fait un gâteau au yaourt. En vrai, vous l'avez comme ça, mais c'est bon, ok? Ne jugez pas ma mère, c'est très bon. Genre, au début, même moi, j'ai jugé. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et après, genre, j'ai pas voulu manger et tout. Parce qu'en ce moment, j'ai pas faim. J'ai pas voulu manger. Et là, ce matin, je me suis dit, vas-y, je vais goûter. J'ai coupé un petit bout et j'ai kiffé. Boum. Désolée, maman, de t'avoir jugé. Et c'est archi bon, vraiment. C'est pas parce que c'est ma mère qui a fait. Hein. C'est archi bon. Du coup, j'ai pris un petit gâteau comme ça. Et je me suis fait un. Chocolat chaud, je sais, il est même 13h, je crois, là, parce que je me suis réveillée à 12h30, il est 13h. Oui, je mange ça. J'ai pas faim, en fait, j'ai grave pas faim. Donc, on va dire, c'est mon petit déjeuner du midi. Aujourd'hui, là, je vais me maquiller. Ça va, faut juste que je refasse les baby hair, mais vraiment, après, c'est parce que je me suis lavé le visage, du coup, j'ai un peu touché. Mais franchement, ça va. Derrière moi, il y a le haul. Il y a un paquet. Pourquoi? Parce que je dois faire le haul Shein. Ola, je vais me maquiller. D'ailleurs, je vais filmer le haul Shein. Je vais me changer parce que flemme de mettre ce suite. En fait, dans ma chambre, il fait trop froid. Du coup, bah, je mets toujours des pulls ou des hauts longs. Parce qu'il fait trop froid dans ma chambre. C'est trop une dinguerie. Mais du coup, bref. Je filme le haul Shein. Attendez, parce que j'ai noté sur mon téléphone. Je commence. Je reviens. Hein. Je reviens à la ruffine de la blagueule productive là. Elle revient. La blague qui écrivait toujours ses journées dans le petit tableau là ou dans l'iPad, elle est là, elle est de retour. Filmer le haul-in, faire le montage du réel et changer mes statistiques business. Mais ça, je vais pas vous montrer parce que c'est pas un truc, c'est un truc vital. Je le fais en 2 secondes. Mais je dois changer mes statistiques business parce que. Pas business, mais réseaux sociaux, pardon. Il est 14h, voilà, il est 14h, et le temps que je filme ma vie, je me maquille, je prends en général 1h, ça va faire 15h. Enfin bref, là je vais aller me maquiller, je vais me changer, et on se retrouve après. Mais je suis grave fatiguée,
En fait, faut que j'achète des vitamines. Est-ce que vous avez des vitamines à conseiller les filles, genre, pour motiver, genre, que je sois wake up. D'habitude, je suis pas comme ça. D'habitude, je suis une meuf. Je suis lève tôt et je suis une wake up super tôt. Genre, à 7h, j'ai de l'énergie. Et là, je ne comprends plus pourquoi je suis fatiguée comme ça. C'est trop une dinguerie. Regardez comment. Regardez comment je suis mieux comme ça, là. Regardez comment je suis belle. Bon, j'ai fini, du coup, mon maquillage. J'ai arrangé mes cheveux. Bon, demain, attention, je vais les laver parce que c'est bon, j'en ai marre du claquage. Ça m'a saoulé, j'ai envie de changer de coiffure. Là, je me suis changée juste pour la vidéo, histoire de. Mais j'ai porté un bas de pyjama. En fait, je fais toujours ça. Mais je crois que je vais changer. Même quand je fais des vidéos face cam, mon haut, il va être un bête de haut. Hein. Mais en bas, ça va être un pyjama ou un leggings. Mais je pense que je vais mettre juste un pantalon. Parce que vu que ça va être un haul, on va voir tout mon corps. Donc, vaut mieux commencer par un pantalon. Et de toute façon, après, je vais essayer les habits. Donc, je vais changer. Je vais me changer. Mais voilà. Donc là, je suis prête pour tourner le haul. Et après, on va travailler. Après, je vais faire le montage, du coup, pour le réel que je dois poster aujourd'hui. Et les gars, vous allez grave rigoler. J'ai pris trop. En fait, j'étais trop sur mon téléphone. Donc, ma productivité, elle est partie en couille. Mais en gros, il est déjà 15h. Il est 15h. Donc là, on va filmer. Là, il est 16h. Donc, dites-vous, il est 16h. Quand je parlais tout à l'heure, il était 13h. Tellement. J'étais sur mon téléphone pendant une heure avec le make-up. Et en fait, en même temps que je me maquille, j'aime trop regarder des vidéos YouTube. Du coup, il est 16h. Il est 16h, oui. Il est 16h. Hey, on est le lendemain les gars. J'ai lavé mes cheveux, ça se voit. Ça se voit, j'ai lavé mes cheveux. J'ai reçu cette collab avec Unice Air. C'est une V-Part, mais elle est body wave. Je l'ai reçue quand? Lundi je crois, mais j'ai pas calculé. Là, aujourd'hui je me suis réveillée, j'ai ouvert, j'ai calculé un petit peu. Du coup j'ai reçu ça. C'est venu comme ça. C'est une V-Part. Body wave. Je crois que dans la collab, je dois les boucler. Je suis pas sûre. Mais je crois que je dois les boucler. Parce que de base, c'est pas des lisses, c'est des body wave. Donc, elles sont même pas bouclées. Donc. Enfin, moi je suis pas une pro du bouclage. Du coup, là aujourd'hui, je vais filmer ça comme collab. Je sais pas, elle va sortir quand. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le haul in que je dois sortir mercredi. Et du coup, bah ça, je vais filmer. Mais ça, je pense que je vais sortir ça vendredi. Ouais, je pense. Là, j'essaie d'être positif, donc laissez-moi travailler, ok? Ne me jugez pas, laissez-moi travailler. J'ai une collab, je reçois, je filme. Comme ça, je suis tranquille. Donc, j'ai filmé ça. Donc là, je vais faire un brushing et tout. Cette partie-là, je vais... Non, je vais faire des nattes collées. J'ai pas besoin de faire un brushing. Je vais faire juste des nattes collées et devant, je vais faire un brushing. Cette partie-là, donc, comme je vous ai dit, je vais pas toucher. Et c'est devant que je vais toucher. Vous allez me dire, ouais, mais tu vas encore gâter tes cheveux, tu lisses tes cheveux. J'ai jamais dit, hein, parce qu'il faut savoir que moi, je m'aime trop les cheveux lisses. J'ai jamais dit que j'allais pas lisser mes cheveux. Parce qu'il y a une personne aussi qui m'a envoyé un message sur Snap et qui m'a dit, arrête de lisser tes cheveux ou utiliser le brushing ou arrête d'utiliser le sèche-cheveux. Je vais continuer toujours à me lisser les cheveux parce que j'aime me lisser les cheveux. En fait, je me préfère les cheveux lisses. J'aime mettre des clips et tout, des V-Part où ça fait effet tissage. J'aime ça. Mais c'est vrai que je vais réduire. Et le fait de réduire et de prendre soin de mes cheveux, bah regardez, c'est efficace de ouf parce que mes cheveux ici, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient vraiment tout cassés comme ça devant et tout. Genre tout lisse et tout. Et je me dis que petit à petit, le changement vient. Donc voilà, je le dis avant que... Je reçois encore ce genre de message et tout, flemme. Parce que j'ai jamais dit que j'allais arrêter de me lisser les cheveux. Je vais juste réduire le lissage. Je vais continuer, mais je vais vraiment réduire. Avant, je me lissais tous les jours les cheveux. Tout le temps. Donc, maintenant, j'arrête. Dites-vous, je lissais tellement tout le temps que même pour plaquer mes cheveux, je lissais mes cheveux. Et après, je vais les plaquer. Donc, franchement, j'espère que vous comprenez. Donc le changement ça vient pas comme ça hein. Bon là j'ai fini de filmer
le partenariat de cette coiffure, regardez. Trop beau, j'aime trop les filles. Vraiment, j'ai envie de retourner au lisse. En fait, j'ai envie de retourner comme ça, là. Avec les clips, les V-part, où je lisse tout le temps mes cheveux comme ça. Genre ça, c'est moi. Je vous jure, les perruques, c'est pas moi et tout. Mais j'essaie de réduire, comme je vous ai dit. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai eu une idée comme ça. Je vais filmer un Get Your Day With Me. J'en avais déjà filmé un. Bah là, dans la semaine, j'en ai filmé déjà un. J'ai fait le montage et je l'ai posté hier. Du coup, là, j'ai refilmé un autre parce que j'ai une idée de tenue. Et je pense que dans la semaine, vu que je vais être chez ma soeur, je vais en profiter pour faire des photos. Là, je vais juste le filmer. Mais je pense que samedi, je vais faire des photos avec, genre en mode portée et tout. Je vais filmer mon contenu avec le trépied, mon trépied. Mon trépied, je vais vous montrer où je le mets. Mon trépied, je le mets ici. Je le mets là. Pour que, en fait, mais bon, je le mets pas vraiment là, je le mets vraiment dans un angle comme ceci, où on voit pas en fait. Là, je vais mettre mon téléphone et je vais commencer à me filmer. Je sais pas comment je pourrais vous mettre dans ma chambre, comme ça vous pouvez me voir en train d'être productive. Je sais pas. Ou sinon, bah, allez me suivre sur Instagram tout simplement pour voir mes réels. Là, vous avez le behind the scene. Pour que là vous voyez en avant-première un petit peu comment j'ai fait mon trépied tout d'air. C'est un nouveau trépied que je kiffe les gars. Je l'ai acheté à Amazon, vraiment pas cher. Genre 20-30 euros je crois, un truc comme ça. Il est archi bien, vraiment trop bien. Genre il est archi grand. Là j'ai pas mis au max mais je vous jure il est trop grand. Genre il peut aller genre au moins jusqu'à mon miroir là, je pense la hauteur. Genre je crois. Mais en tout cas il est trop bien, vraiment. Genre je kiffe et tout. Vous pouvez faire comme ça, lui ici, tout, vraiment trop bien. Je kiffe de ouf. Du coup, enfin bref, là je vais me filmer. Si je trouve pas une façon de vous poser et de vous montrer comment je travaille, bah allez me suivre sur Instagram tout simplement les filles. Donc ça c'est les vêtements que je vais porter pour faire le Get Your Day With Me. Ma paire de Yeezy 500 je crois. Je sais plus tellement il y en a trop. Ouais c'est 500, c'est 500. Du coup là c'est ma paire de Yeezy 500. Ce t-shirt là que j'ai déjà porté sur Insta. Mais en fait il me fallait un t-shirt imprimé. Allez, on m'appelle tout le temps en fait. What the fuck. Je réponds après. Donc après il y a ce bonnet là, bah, c'est le bonnet de ma marque Castra. Cette jupe et ce sac. Il faut savoir que là je suis en train de filmer comme je vous ai dit le réel. Mais je vais faire la photo samedi avec ma soeur. On va shooter. Du coup, bah là, je fais le réel en avance parce que je ne serai pas chez moi. Donc, je préfère faire ça. Et en plus, ça me permet d'être régulière. Et comme je vous ai dit, sur Insta, j'essaie de poster, on va dire, un réel par semaine. Si je sors et que j'ai une idée de tenue, bah pourquoi pas. Sinon, zéro réel. Passenger, this is G5, no, this not a challenger. Big one. I keep some numbers with me in the fridge. Get cold seats, they some cannibals. Eaters. They like to geek. Drink a whole bottle, wake up and repeat. Damn. She took a look, missed it with the chill out. Now she say she singing 3D. I go in the jungle and ain't got a coat. I bet I come out with a meme. Do this shit for the fam, cause this shit bigger than me. Color thugs in my infinity lane. And in the factory, mix a piece. I call on Twitter, could that be my brother? We got the same roller, he matching me. Nah, for real. Water on me, like the sun, the sun, carrot, sun. Bon les gars, j'ai fini de faire mon contenu. Je suis fatiguée, j'ai enfin mangé Doritos. Je les ai ouverts à l'envers, je suis trop bête, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai fait un toast comme ça que j'ai cramé derrière. Et c'est genre, c'est trop fun. Mais c'est archi bon. Du coup, je vais manger et après, je vais me mettre à travailler. C'est trop bon. J'ai mis à l'intérieur. J'ai mis à l'intérieur jambon, fromage, crème fraîche, incroyable, c'est trop bon, c'est trop bon. Et ça c'est les meilleurs chips ever. Doritos au fromage, incroyable. Je vais manger et je vais travailler, on se retrouve demain du coup les gars. Demain je dois rien faire à part ma valise. Et ça va être la fin de ce vlog. Donc, je trouve que cette semaine quand même j'ai été productive. J'ai filmé un, deux réels, un partenaire à cheveux, le Ho Chi Minh, vraiment, plus productif, il n'y a pas.
Vraiment, franchement, j'ai été archi productive. Franchement, je m'applaudis. Je suis très fière de moi.